Je suis Cédric Puig, je suis sorti d'EPITA en 2008 en spécialité SCIA. Donc arrivé à Dassault Systèmes, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un projet d'innovation qui consistait en fait à prendre, donc on avait plein de logiciels assez gros, assez énormes, et l'idée c'était de prendre des moteurs dans ces logiciels, de les extraire et de les faire tourner dans des process vraiment séparés pour pouvoir les faire tourner en parallèle. L'infra a plutôt bien fonctionné, ça a commencé à prendre la mayonnaise, et l'idée c'est que ces process qui étaient maintenant externalisés, on a pu les mettre sur d'autres machines, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il y a une équipe qui s'est montée, donc je suis devenu manager, et on a tous ces process qui étaient répartis, mais en fait c'est devenu l'infrastructure de calcul pour le cloud en fait, de Dassault Systèmes. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est vraiment la possibilité d'innovation, la place à la créativité. Évidemment, on est dans un très très grand groupe, donc il y a toujours des process, des choses un peu rigides, mais il y a vraiment une vraie part à l'innovation. On est entouré de gens absolument extrêmement intéressants qui apportent vraiment quelque chose. Il y a la possibilité d'apporter sa propre pierre à l'édifice. Pour moi, c'est la persévérance. C'est vraiment la persévérance. Se battre pour y arriver, jamais laisser tomber, même quand on croit que c'est fini, en fait, faut continuer. Et c'est vraiment une valeur qui m'a beaucoup poussé et qui fait que je l'ai encore. L'autre chose que je retiendrai vraiment d'EPITA, si je devais en retirer deux, c'est apprendre à apprendre. Voilà, c'est ça qu'on gagne tous, parce que ce qu'on apprend en 2008, c'est dépassé en 2018. Et pourtant, là, je m'en sers tous les jours, j'ai découvert plein d'autres trucs, je continue à faire de la veille technologique, et c'est vraiment ça qui fait la valeur d'un EPITA. Le conseil que j'aurais vraiment pour les futurs ingénieurs, c'est de ne pas croire que les choses sont impossibles. C'est des choses qu'on va entendre tout le temps quand on arrive dans une entreprise. Il va y avoir des acquis, il va y avoir des process, des choses un peu rigides. C'est des choses qui peuvent changer. Il y a vraiment la possibilité de changer. On a la technique, on sait faire, il faut en profiter, il faut prouver, il faut montrer, il faut démontrer, il faut faire des proof of concept, il faut arriver, il faut aller de l'avant et vous allez trouver une écoute, vous allez trouver des oreilles attentives, même si vous n'en avez pas l'impression. L'effervescence. L'innovation. La persévérance. La créativité. La connaissance.